Coucou mes chippies, bonjour. Alors me revoilà aujourd'hui avec une vidéo, donc dernière vidéo Ramadan Up, ça y est, l'Aïd arrive à grands pas. Et donc je vais vous montrer et vous présenter donc différentes façons de porter votre hijab le jour de l'Aïd, que ce soit en journée, en soirée, etc. Et donc voilà, je vous montre celui-ci que j'ai eu, comme je vous disais la dernière fois, sur le hall chez Etam, qui est en fait empiécé ici de petits sequins et tout. Il est vraiment bien brodé des deux côtés. Et celui-ci, moi je pense que voilà, c'est quelque chose à porter par exemple en soirée, parce que c'est un peu plus chargé. Après, c'est comme bon vous semble, vous pouvez le porter aussi en journée. Et le style est aéré, voilà, léger, etc. Donc voilà, même le tissu est en fait un peu on dirait du lin en fait voilà. Donc voilà, j'espère que le style donc vous plaît. Et je vous montre donc les autres tutos à la suite de ce tuto-là. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
voilà mes poupettes, j'espère que donc ces tutos là vous ont plu. J'espère que voilà, ça vous donnera des idées pour le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Je voulais aussi vous parler de la campagne Ramadan Up pour le t-shirt en fait, qui est en vente sur le site Fabrilli. Donc voilà, alors je vous explique un peu le concept, parce qu'apparemment à chaque fois que je mets une photo de moi, il y a je sais pas combien de j'aime sur la photo, et dès que je mets une photo de ce t-shirt, j'ai 20 j'aime, 25 j'aime. Il n'y a pas assez de monde en fait qui est intéressé par les dons, par le fait de vouloir donner pour les pauvres, pour les plus démunis. Et franchement, ça m'attriste vraiment. Je pensais que vous alliez être plus nombreuses en fait à participer à cette campagne là. Donc en fait, j'espère Inch'Allah que ça vous intéressera en tout cas. Voilà, il s'agit en fait d'une campagne qui m'a été proposée par le site Fabrilli, qui m'ont dit en fait voilà, nous sommes un site qui fabriquons des t-shirts. En fait, vous faites une campagne, peu importe le projet que vous avez. Voilà, par exemple, je sais pas moi, récolter de l'argent pour votre entreprise, récolter de l'argent pour une association, récolter de l'argent pour un projet que vous avez. Vous fabriquez en fait un t-shirt avec votre design, et donc en fait c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que vous allez faire un don, un achat, la personne va récolter cet argent-là, mais vous allez avoir en retour un t-shirt aussi. Donc voilà, c'est un système de donnant-donnant. Donc du coup, moi ce que je me suis dit, c'est que je voulais pas faire ça pour moi, ni pour un projet à moi, ni pour rien du tout. Je voulais en fait qu'on puisse aider les enfants palestiniens, vous savez, qui sont dans une galère incroyable. Il n'y a pas que ces enfants-là, il y a beaucoup qui m'ont dit oui, mais il n'y a pas que ces enfants, mais voilà, moi la Palestine est chère à mon cœur. J'y suis jamais allée, je connais pas ce pays là mais dès que je vois les misères qu'ils endurent, que ce soit dans la bande de Gaza ou ailleurs, ça me touche profondément. Il y en a qui m'ont dit oui, les enfants de Tunisie, mes enfants de Tunisie ne sont pas bombardés tout le temps, n'ont pas des maisons qui sont par terre et qui vivent sur des maisons qui sont en ruine, avec des rats, des corps qui sont sous des débris, enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais leur proposer donc un t-shirt avec le signe Ramadan Up, vu que tout ce mois de Ramadan vous avez aimé regarder les Ramadan Up et que ça vous a plu. Du coup, je me suis dit, je vais leur faire un t-shirt dans ce design là. Le t-shirt coûte 5,96€. C'est un t-shirt standard, donc blanc, avec l'inscription Ramadan Up en noir. J'ai voulu cette couleur là et cette inscription en noir pour que ça aille à tout le monde et que ça aille avec toutes vos tenues. Vous pouvez mettre ça avec des longues jupes, vous pouvez mettre ça avec un jean, vous pouvez même offrir ça à votre mari, à vos enfants. Donc voilà, donc c'est 5,96€ seulement, et vous ne recevez le t-shirt que si nous atteignons si on atteint en fait le but en fait de la campagne, c'est en fait de vendre 50 t-shirts. On est à 19 t-shirts aujourd'hui. La campagne dure encore pendant 6 jours. Si après ces 6 jours là nous n'avons pas vendu les 50 t-shirts, vous ne recevrez malheureusement pas vos t-shirts. Donc la campagne sera annulée. Donc pour celles qui ont donc validé l'achat, donc les 19 personnes qui ont validé l'achat pour ce t-shirt là, si on atteint le but en fait du projet, donc les 50 t-shirts, vous le recevrez. Si on n'atteint pas ce chiffre là, malheureusement vous ne le recevez pas. Donc partagez un maximum avec vos voisins, vos familles, etc., pour qu'ils puissent acheter au maximum donc ce t-shirt là. Alors moi ce que je fais, c'est que je récolte cet argent là et je la pose donc chez une association. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ce que je fais avec cet argent là à une association qui va aider non seulement donc les enfants de Gaza, mais qui fait aussi des aides pour les enfants africains, pour l'Afrique, pour construire des puits en Afrique. Je pense que vous voyez de quelle association je parle, c'est une très grande association. Donc écoutez, partagez ça au maximum, faites des dons, c'est le moment, c'est vraiment voilà, c'est dans la vie, quand on a, il faut donner. Et il me reste plus qu'à vous faire de très très gros bisous, de vous souhaiter un Eid Mabrouk Inch'Allah, et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé, de continuer à vous abonner. On est presque 80 000 sur la chaîne, franchement c'est incroyable comment vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à aimer ce que je fais. Je suis vraiment vraiment touchée et fière, et voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chéris.